Vive le marché, vive le marché. C'est chouette les petits moments de bonheur comme ce matin. Je suis sortie, j'ai tenté le plan séquence en vélo et je me suis vautrée bien sûr, sans casser la caméra, heureusement. Après, j'ai déambulé dans le vieux tour pour filmer les habitants du quartier. Et surprise, il y avait le marché comme d'habitude. Contente qu'il y ait le marché, c'est pour ça. Bah oui, moi je aussi croyais pas. Je suis allée au je suis pif content. en me disant qu'il n'y en a pas. Moi aussi je suis content. C'est une dérogation d'une mère, c'est quoi? Non, il dormait. Non. Il s'est pas réveillé. C'est compliqué. Pour l'instant, c'est la préfète qui tient. C'est vrai? Oh, c'est génial. Sur un jour par jour. Vous savez pas s'il y a Sanitas vendredi? Ah, ça, oublie. Ça, faut oublier ça. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi Sanitas, j'ai pas le droit, c'est mon quartier moi. Ouais, mais parce que vos habitants, ils respectent pas les règles, donc. Ah merde. Il y a des règles barrières et hier, ils ont tout tripoté partout. Ils vont garder Coty, ils vont garder Rabelais, Velpeau, des trucs comme ça, mais ils vont fermer. Velpeau va garder résister, vous pensez? Les marchés du dimanche, je pense. Vous le faites, vous, Velpeau? Non, mais dimanche, je le donne. En fait, le marché en plein air, c'est celui qui prend le moins, en fait. Ouais, mais il trouve qu'il y a trop de contact humain, en fait. En supermarché, t'as pas de contact humain. À part la caissière. Mais les caissières, on s'en fout, c'est des caissières. En air confiné, tu crois que le monde vient plus que là. Je t'ai payé, hein. Oui, tu m'as payé. C'est la revanche... De la nature? C'est la revanche des mondes hospitaliers, des instits et des paysans. Des paysans? Bah oui, on a besoin de nous, merde, on fait à manger. Bah oui, je sais bien. Puis alors là, il disait la pollution baisse partout et les agriculteurs continuent de travailler. Oh merde! C'est peut-être pas eux qui sont responsables de tout, finalement. 3 euros, sinon.